Alors, salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment faire un tableau d'amortissement sur Excel avec le système linéaire et le système dégressif. Les autres systèmes, on les verra prochainement, mais contentons-nous d'abord de ces deux principaux systèmes, linéaire et dégressif. Alors, avant de faire un tableau d'amortissement, on sait très évidemment que nous avons besoin d'un informations précises. Tout d'abord, le matériel en question. De quel matériel est-ce qu'il s'agit? Puis, de son année, ou bien sa durée, ou bien son taux. Soit sa durée, soit son taux. On peut avoir un des deux. Là, ça va nous permettre de, si on a la durée, avec la durée, on peut trouver le taux. Si on a le taux, on peut trouver la durée. Donc là, on aura besoin soit de la durée, soit du taux. Donc ici, nous allons fonctionner avec la durée. Et pour faire le système dégressif, nous allons fonctionner avec le taux. Et on verra comment retrouver l'année. Même si je sais que vous le savez déjà. Et également la valeur d'origine, encore appelée VO, dans le système, dans le langage comptable. Bon, le matériel, disons qu'il s'agit d'un véhicule. Disons qu'il s'agit d'un véhicule, on va mettre là tout simplement véhicule pour ne pas faire des publicités. Véhicule, tout simplement. Donc, vous savoir, tu autre et autre. Donc, on va juste mettre la véhicule. La durée, on va prendre une durée de 6 ans. Là, on va prendre une VO de 12 millions. Alors, maintenant, il va falloir donc maintenant tracer notre tableau. Nous connaissons très bien comment un tableau doit se présenter. Nous aurons donc besoin, tout d'abord, le premier élément, il s'agit bien de la période. Après la période, nous avons la base amortissable. Après la base amortissable, puisque nous sommes avec le système linéaire, là, on peut bien évidemment mettre là le taux, même si on pourrait s'en passer, mais mettons là le taux pour voir comment les calculs vont s'opérer. Après le taux, nous avons bien évidemment l'annuité. Après l'annuité, nous avons la somme d'annuité. Et après la somme d'annuité, nous avons la VNC. Alors, pour la période, on oublie ici, il nous faut également l'année d'acquisition. Là, mettons là ici en 2020. Une période de 6 ans. Donc là, un période, on va commencer là. Et là, on va prendre le premier cas où on a commencé en début d'année, c'est-à-dire au 1er janvier. Au 1er janvier 2020. Donc là, en période, dans là, la première période sera bien 2020. Après 2021, là, on va tout simplement incrémenter. Jusqu'en 2025. Alors, la base d'amortissable. On va tout simplement mettre la sélection, mettre la entrée et valider notre valeur d'origine. Et là, puisqu'il s'agit d'un système linéaire, alors la base d'amortissement est constante. Alors, je n'ai pas figé, c'est parce que je n'ai pas figé mon F4. On va utiliser la touche F4 pour figer. Et là, maintenant, on peut la recopier. Et là, voilà, la valeur a été recopiée. Là, le taux. Alors, pour ce qui est du taux, comment on calcule le taux? Le taux, c'est simple, moi, tu vas mettre là égal. Puis, on va faire 1 divisé par la durée de l'immobilisation. Et là, et on va le mettre en pourcentage. Et là, ça nous donne dans ceci. Là, on va tout simplement, puisqu'il s'agit d'un taux linéaire, ça veut dire qu'il sera constant. Donc, ça sera le même partout. Donc, on va tout simplement figer la colonne C3 avec la touche F4 et reproduit cela dans tout le reste du tableau. Alors, l'annuité, c'est simple. L'annuité est égale donc à la base d'amortissable, la base d'amort multipliée par le taux. Et là, on aura donc l'annuité et séparé pour le reste. Et là, nous avons donc à ce niveau la somme d'annuité. Là, la première annuité qui est égale à la première somme qui est égale à la première annuité, la deuxième qui est égale à la somme précédente plus l'annuité du jour.
de la période si vous voulez. Et là, on va donc recopier ceci jusqu'à la fin. Et là, pour la VNC est tout simplement égale à la base d'amont moins la somme des annuités. Et là, on va recopier également tout ceci. Et là, nous aurons donc notre tableau d'amortissement linéaire. Et là, le but n'est pas de le faire comme ceci. Le but est de faire en sorte qu'il soit maintenant automatisé. Comme on l'a dit, le but n'est pas de faire seulement les calculs ici, mais de faire en sorte qu'il soit automatisé pour que si à l'avenir on modifie un élément de ce tableau, par exemple, on a plutôt une immobilisation de montant de 9 800 000, pour que le calcul puisse se faire de manière automatique et que lorsque même si on change la date, par exemple, si on mettait là en 2022, là, oh, on a oublié deux paramètres. Donc là, on va seulement mettre la égalité. On va utiliser la fonction année pour extraire l'année de la date d'acquisition. Et là, fermé. Et là, à chaque fois, si on modifie la date, elle se fera donc de manière automatique. Donc, on aura, si on modifie le montant, là, les calculs également vont être modifiés. Donc, là, on n'aura plus à refaire ces calculs que nous venons de faire précédemment. Donc, le but est donc d'automatiser cela. Alors, passons à présent avec le système dégressif. Alors, pour le système dégressif, nous allons prendre les mêmes éléments. Donc, nous allons copier ceci. Nous allons coller à ce niveau. Pour le tableau, ça sera pareil. On va utiliser là. Mais sauf que on va modifier quelques éléments sur le tableau. Là, on va mettre le numéro d'année. Bon, là, on va utiliser période, mais sauf que cette fois-ci, la placement de la période va un peu changer. Là, année. Là, à ce niveau, base d'amort. Bon, on a dit qu'à ce niveau, base d'amort. Là, cette fois-ci, maintenant, voilà où ça va changer, puisque là, on aura le taux dégressif, là, on va mettre T petit d, et le taux linéaire, donc T petit l. Et là, avant d'avoir après l'annuité, puis la somme d'annuité. Et après, et enfin, la VNC. Là, il faut savoir que le système dégressif sera différent. Ok, passons donc maintenant au système dégressif. Là, nous savons bien que le système dégressif, puisque nous avons là le nombre d'années qui est à ce niveau, il nous faut bien évidemment les coefficients de multiplication pour obtenir le taux dégressif. Puisque nous savons que là, à ce niveau, nous aurons déjà ici un système décroissant, c'est-à-dire que nous avons 6. Après, nous aurions 5 et obtenir 1. Là, ça va nous servir pour le taux linéaire, puisque nous savons que le taux linéaire sera 1 divisé par le nombre d'années restant, c'est-à-dire ici, donc, on aura quoi? Égal 1 divisé par le nombre d'années qui reste. Là, à ce niveau, ça sera 6. Là, on aura qu'à les mettre en pourcentage et faire pareil pour la suite. Et là, obtenir 100%. Et là, pour le taux dégressif, il nous faut donc le tableau de coefficients, puisque nous savons que la durée de 3 à 4, il faut multiplier par le coefficient et ainsi de suite. Nous sommes dans la période de 6, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un coefficient de 2. Ce qui veut donc dire qu'ici, on aura là-dedans égal 1 divisé par 6 et le tout fois le coefficient. Donc, fois 2 qui sera le coefficient. Et là, le taux dégressif sera identique sur le reste. Donc, là, on va tout simplement fusionner, figer, bloquer cette cellule B3. Et là, on va donc recopier ceci pour la suite. Alors, maintenant que nous avons les taux, les différents taux, c'est-à-dire le taux décroissant et le taux linéaire, passons donc maintenant à la base d'amort, base, désolé, base d'amort. Alors, la base d'amort sera égale à quoi? Tout simplement la VO,
puisque nous n'avons pas de valeur résiduelle. Si on avait une valeur résiduelle, là, la base d'amortissement devait changer. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, nous allons rester sur ce fait-ci. Alors, l'année, on a dit que pour calculer l'année, qu'est-ce qu'on fait? On fait justement égal et là, on met année. Et on choisit le numéro en question. Et on ferme la parenthèse. Et là, nous avons donc l'année qui est 2025. Et là, pour la suite, on va tout simplement faire égal l'année plus 1. Et ainsi de suite pour avoir le total des années. Et là, pour la période, on peut tout simplement mettre la 1 jusqu'à la fin. Et là, on va incrémenter. Et là, 6. Ça fait bien égal 6. Alors, puisque je suis le système dégressif, la base d'amont ne sera pas constante, contrairement au système linéaire que nous avons vu tout à l'heure. Alors, comment ça va donc se passer? Il faudra donc, la base d'amont de l'année suivante sera donc égale à quoi? Sera tout simplement égale à la VNC de l'année précédente. Et là, nous allons donc recopier cette formule-ci jusqu'à la fin. Oui. Et c'est bien ça. Et l'annuité sera égale à quoi? Maintenant, pour ce qui est de l'annuité, laissons d'abord celui-ci, on va le faire à part. Nous savons que pour la somme d'amont pour la première année, ce sera toujours égal à l'annuité de la première année, mais pour la deuxième année, elle sera égale à la somme d'amort de l'année précédente plus l'amortissement de l'année en cours. Et là, c'est celle-ci que nous allons recopier. Et la VNC sera égale à quoi? La VNC sera égale à la base amortissable moins la nuitée. Et ça, cela qui sera donc notre VNC. Là, nous pouvons décider ici de retirer les virgules. Donc là, on va mettre un nombre sans les virgules. Et on va utiliser un séparateur. Donc, de cette façon-ci, pareil pour la VNC. Sauf si, bien évidemment, vous voulez qu'on maintienne les virgules. Bon, supposons que nous voulons maintenir les virgules. Allons-y donc, maintenant nos virgules. Deux chiffres après la virgule. OK. Là, nous avons donc la VNC qui est égale à la base d'amortissement. La base d'amortissement moins l'annuité. C'est OK. Donc, nous allons donc recopier ceci. Là, vous voyez que pour l'instant, ça va donner ce chiffre-ci. Maintenant, l'annuité. Puisque nous sommes avec le système dégressif, l'annuité sera donc fonction du taux le plus élevé. Alors, c'est-à-dire que nous allons donc utiliser ici, à ce niveau la fonction si. Donc, on va mettre là égal si. Dans la fonction si. Donc, si le test logique, on va se baser sur ce taux décroissant. Donc, si notre taux décroissant est supérieur. Si notre taux décroissant est supérieur au taux linéaire, alors, donc c'est ça le point virgule, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va faire la base d'amortissable, la base amortissable fois le taux décroissant. Et dans le cas contraire, donc ça dit que si c'est inférieur au taux linéaire, qu'est-ce qu'on fera? On fera la base amortissable fois le taux linéaire. Et là, on fait fermer nos parenthèses et entrée. Et là, on va donc recopier ceci, comme celui-ci. Et là, on peut donc décider de mettre nos deux chiffres après la virgule, comme c'était fait. Vous voyez que le reste se fera de manière automatique et à la fin, nous aurons bien et bel 0. Donc, vous voyez bien que le but pour nous est de rendre ceci automatique, de telle sorte que lorsqu'on change la date, le tableau se modifie de manière automatique. Donc, si on change également là, la valeur d'origine, là, notre tableau sera déjà automatisé. Alors, c'est ça donc le but. Alors, merci d'être allé jusqu'au bout. Alors, je vous invite donc à récupérer votre petit cadeau dans la description et je laisserai également le lien de téléchargement de ce fichier dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnantes. Sans oublier de liker la vidéo si ça vous a plu.
de la partager aux autres utilisateurs d'Excel pour qu'ils puissent en profiter. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.